Bonjour à tous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Gamer Professionnel 713 ProKong. Le clignotement est de retour, je ne sais toujours pas pourquoi. Je trouve ça bizarre. Mais bon. Alors, dernière fois, vous vous rappelez, nous avions terminé le monde 3 et je vous avais dit, c'est comme ça, dès que je reviendrai de vacances, on va pouvoir commencer un prochain monde, un nouveau monde. Je vous ai menti. Ouais, je vous ai menti. On commence pas un nouveau monde. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Chunky. On va aller aux deux. Et vous voyez ce que je vais faire. Hein? On retourne dans un ancien monde. Ça va être le quatrième épisode et ça devrait être le dernier sur ce monde-là. Ah, c'est vrai, maintenant je peux en avoir ça. Ok, bon ben, direction le deuxième monde que nous allons terminer aujourd'hui. Et la fois d'après, on va pouvoir commencer un nouveau monde. Hop, hop. Voilà. Donc, les ananas que lui tire. Lui, c'est un rond. Le signe qu'il y a dessus. Donc, on va essayer de le mettre sur le rond. Oups. Mauvais bouton. Le bouton, c'était Z. Ça, ici, c'est un X. Mettre sur les X. C'est pas comme si on était en train de se faire bombarder, là, mais... C'est bon. Et le dernier vase. Voilà. Et ça donne une banane. Quarante-deux bananes. Non, pas par là. Voilà, rien de trop compliqué. On retourne ici. Ok, ça devrait être bon. Tout devrait être bon. Maintenant, il me faut retrouver l'ananas. Quelques diamants à prendre en plus. Ah, il y a des sous ici. Ça. Je pense que je vais le manquer. Exact, je l'ai manqué. Mais je voulais les sous ici. Donc ça me va en fait. Donc, on va prendre la nana. Et nous allons retourner dans le bâtiment. Voilà. Vous vous rappelez de ce bâtiment-ci? Ça, c'est le bâtiment, le Tiny. Ah, il y a beaucoup de choses ici, c'est vrai. Donc, quelques sous. Puis
si on regarde par là, on peut descendre. J'espère que ça va les tuer. Oui. Et... oh tiens, une banane. Oh non. J'ai presque fait un multi-kill. Mais presque un... mais j'en ai fait un multi-kill. J'ai fait un triple kill en fait. C'est une salle que je trouve tout de même assez intéressante, qui a un bon principe, elle fait toujours tourner. Voilà. Ah, on retourne au départ. Je tombe pas. Hein. J'étais pas du tout au-dessus d'un trou au milieu du vide, hein. Non. Donc c'est bien. On a terminé pour ici. De beaux ennemis, hein. Oh, des bananes. Chance que je les ai vues. Sinon, j'aurais eu du mal, parce que ça, ça fait 25 bananes, qui est tout de même un quart, et on doit avoir au moins 3 quarts des bananes du monde pour le médaillon. C'est vrai qu'il n'y a rien ici. On est passé par là. Ok, on peut y aller. Allons-y! Ok. Donc je fais exprès de ne pas prendre les téléporteurs. Un beau baril. Ça, on vous l'avait montré, oui, cette fois-là. Pour devenir géant. Et ça utilise de l'énergie des cristaux. Des cristaux. Je sais pas, des cristaux. Si je me trompe pas, être grand ne m'empêche pas de prendre des dégâts. On peut aller dessus, déposer la roche. Parce que si je me serais enlevé sans laisser la roche, ça n'aurait pas fonctionné. Donc là, je suis devenu petit pour éviter de gaspiller les cristaux. Tantôt, je reste un peu plus grand pour aller un peu plus vite. Cristaux. Et on peut aller dedans ceci. C'est quoi le mini-jeu? Ah! Faut pas prendre des dégâts, puis faut tirer. Oh, c'était chaud. Je n'en ai fini de munitions, alors autant en profiter. Voilà. C'est pas trop dur. C'est même le fun. C'est même amusant. Voilà, on a gagné. Tada! Facile. On peut continuer. Vous rappelez que chaque monde a un certain nombre de tout. Comment dire, un certain nombre de bananes. Chaque monde a 5 bananes par personne. Donc une des bananes qui est le cadre. Pas besoin de prendre un
examen. Donc là, je fais le tour, même si je sais que je ne trouverai pas la dernière banane. Parce que, vous vous rappelez, j'avais dit que dans ce monde-là, qu'il y en avait moins. Puis j'en ai juste pris 3 par personnage, plus leur cadre, bien sûr. Sous là-bas. Pas besoin réellement d'y aller. J'ai pas réellement besoin de sous. Donc, quelques bananes. Il en manque plus beaucoup, mais je sais où est le reste. Donc là, avec lui, il lui manque son cadre. Et il lui manque... quelques bananes. Vous vous rappelez de ceci? Nous sont... Mais justement, vous ne vous rappelez pas. On n'y est jamais allé. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule banane avec chacun des personnages. Et donc, je voulais attendre d'avoir tous les personnages avant de le faire. Donc c'est simple, c'est aussi simple que ça. Pour entrer, il faut juste tirer et on peut entrer. C'est très sombre, très lugubre. J'aime plus ou moins la musique. Ça fait tout de même assez peur. Puis moi, quand j'étais vraiment plus jeune, j'avais vraiment peur de cet endroit-là. Oups. Oups. Donc, s'il y a des personnes un peu plus jeunes qui regardent, je dis, moi, j'avais vraiment peur de ces endroits-là. Ok, quand j'étais jeune, j'avais peur de tout. J'avoue. Médaillon! Côté avec quoi? Je sais pas pourquoi je continue à prendre des bananes. Parce que c'est totalement inutile. Et... Bon! Qui est assez effrayante. Ok. Mais c'est pas ça qui me faisait le plus peur quand j'étais jeune. Il n'y a qu'un sou par ici. Donc là, il ne manque que son cadre et une banane à lui. Voilà son cadre. Voilà. Voilà un autre interrupteur. Ça doit avoir un mur quelque part, mais où? Juste ici. Il y avait juste un sou, maintenant il y a un trou avec un baril de mini-jeux banane. On est déjà à moitié de l'épisode.
Ah, faut que je fasse 18 points. Donc les rouges valent 2 points. Mais ils sont beaucoup plus durs à voir. Voilà. Je l'ai eu. Vous allez voir maintenant la partie qui me faisait le plus peur quand j'étais jeune. Donc là, j'ai ma quatrième et dernière banane. Et voilà. Ceci me faisait peur. J'ai le temps pour m'en aller, sinon je meurs. Donc ça va. Voilà. C'était simple. Et voilà, on y est. On a terminé ce monde-ci avec Chunky. Mais maintenant, il faut le terminer avec tout le monde d'autre. Donc, le prochain sur la liste, Dunkey. Est-ce que j'ai son médaillon? Ouais, j'ai toutes ces bananes. C'est bien. Ok. Il ne nous reste plus beaucoup de temps dans l'épisode. Je vais bientôt devoir faire la traditionnelle Cooper. Ah! Je me fais toujours avoir. Voilà, ici je devrais être en sûreté. Ça c'était le meilleur coup de l'univers, surtout que j'ai fait. C'était 100% voulu, hein? N'est-ce pas? Absolument voulu. Ça c'était une erreur. Ok. J'aime ça parce que je pense que je fais tous les niveaux dans le bon ordre parce que des ennemis que je rencontre. Oh oh, ça c'est un erreur. Ils m'ont fait des combos. Ah, lui, c'est juste une banane. Mais encore une fois, la partie que je trouve la plus effrayante. Que j'ai trouvé la plus effrayante. Plus que le temps s'écoule, plus que le viseur s'approche de ton personnage. C'est aussi une autre chose que j'ai remarqué, puis que. Oups. Le jeu lag apparemment. Donc, oui, je vais finir le monde 2 cet épisode-ci. Donc, je vais faire une Cooper. À tout de suite. Le clignotement de retour, je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, on peut prendre Dédé et tirer sur la coconut. Et pas sur la coconut, voyons sur la pina. Oh boy! Il est passé au travers du mur! Tricheur! Ça fait sursauter une fois de temps en temps. Okay, ça c'est le bon chemin. Le côté il y avait quoi? Moi c'est toujours comme ça que je vois ça. C'est ça le bon chemin. L'autre côté il y avait quoi? 3, 2, 1. Un autre ennemi. Et un sou! Donc ça va en fait. Mon diamant n'a pas de...
Là, le bon chemin devrait être à la gauche, donc je vais essayer d'aller à la droite. Lui, j'ai tout son médaillon? Oui. Voilà. Des ennemis normales. Oh! Erreur. Voilà. Donc ça, c'est un ennemi qui ne peut être tué qu'avec les oranges. Voilà, 47 bananes. Puis aussi le bip bip qui s'accélère. Donc je trouvais ça assez effrayant quand j'étais jeune. Voilà, voilà. Lanky. J'en ai combien de bananes d'or? 47. Pourquoi 47? Ah, ouais, ouais. Ok, je comprends pourquoi 47. Pourquoi? C'est parce que dans le troisième monde, on a 20 bananes. Dans ce monde-là, on en a 18 en ce moment. Dans le premier monde, on en a 10. Ben, c'est un nombre pair que ça va donner, vu que c'est tous des nombres pairs. Avez-vous déjà vu ça? Ça vous dit quelque chose? Son médaillon. C'est bien. Oups. Je l'ai regardé. Ma faute. Et là se trouve un mini-jeu. Seule chose, c'est qu'il y a une place dans la pyramide que j'ai pas observée. Ça devrait pas me mettre dans le trouble. Ah! Ah zut! Voilà! Ça m'a pris 10 secondes. Donc c'est ça le truc, je sais où est-ce qu'il respawn. Donc je me mets là, puis faut juste que j'aille des bons réflexes en fait. Ok. Ok, je sors. J'ai pas fait de blague pour it là, mais... Ouais, c'est ça, à un moment donné, je devrais faire comme... Ouais. Ben, il m'en reste une pyramide, donc tu sais ce que je vais faire, c'est juste avant, je vais trouver une blague pourrite à faire, puis là, lui, il va me dire « Get out ». Ouais. On s'est passé. Même si on est léger, on saute passé. Oh, lui, elle lui en manque de bananes. Alors autant prendre celle aux alentours. Bon, savez-vous quoi? Je vais prendre celle à l'intérieur du temple en premier. Je vais prendre celle à... Oh, c'est tentant. Je vais prendre celle à l'intérieur du temple en premier. Parce qu'après ça, il faudra que je sache... ce que je prends, il faudrait que je sache combien il faudrait que j'en prenne en dehors. Voilà.
Donc vous voyez les belles hitbox. Totalement pas buggy. Voilà. Ça enregistre toujours, c'est bien. Ah, vous entendez la petite fille? Donc on peut passer par ici. Voilà. C'était simple. Et c'est pour ça que je savais que ça allait pas me mettre dans le trouble. Notre affaire. Attendez un instant. Est-ce que j'ai tout dans le monde? Il manque que son médaillon à elle. Ce qui est normal. Avez-vous vu ce glitch-là? Voilà. Le côté est la même chose, mais je sais pas pourquoi. Non, je vais aller voir rapidement. Pour des fils de caméra. Lol. Donc ça ici, c'est un temps qu'il faut faire très attention. Parce que sinon, on aurait manqué la fée. Ça, c'est la banane. Donc, de l'autre côté, il y avait quoi? On sera encore bombardé. Ça, ici, on ne sera pas bombardé. Oh, ben tiens, il y en avait une. Oh, tiens, on se fait bombarder. Bon. Et voilà. Dernière banane du monde. Mais nous n'avons toujours pas terminé parce qu'il nous manque quelques bananes. Juste pour le fun, si on aurait oublié la fée et qu'il faudrait re-rentrer, on aurait eu combien de temps? Infini? Ok, apparemment on en aurait eu un infini. Je trouve ça bizarre. Bon, on a combien de bananes? 60. Il nous en manque 15. Ah voilà, 5. Ah voilà, 5. Et il nous en manque plus que 5. Et une fois qu'on aura ça, on aura terminé le monde 2 pour de vrai cette fois-ci. Ça fait déjà 30 minutes. Le monde 1, je compte pas y revenir tout de suite. Parce que là, on est revenu sur le monde 2. Je vais pas revenir sur le monde 1 tout de suite. Je ne sais pas où est-ce qu'il y aurait des bananes mauves. Peut-être dans les arbres autour. Le pire, c'est qu'il me manque juste 5, quoi. Ça, c'est une porte à melon d'eau. Oh.
savez quoi? Accélérer jusqu'à ce que je le trouve. À tout de suite. Et voilà. Après avoir parcouru tout le monde, il me restait un temple que je n'avais pas encore regardé. Je commençais à être désespéré un peu. Et bien, voilà. Bon, ben, ceci conclut le monde. 2 4 sur 5 cordes, 4 sur 5 cordes, 4 sur 5 cordes. Ouais, on a tout ce qu'il nous faut. Et voilà.
Sur ce, je vais vous dire merci à tous de m'avoir écouté. Et on se revoit une prochaine fois pour un nouvel épisode de Gamer Professionnel 713 ProCon, où nous allons finalement explorer le quatrième monde. Merci à tous, à la prochaine. Bye bye.